La chasse, bien sûr. Puis je serai un air parti. J'ai pensé à toi, parce que j'ai oh ouais, ouais, tu vois. Bon, oh, ouais, tu vas pas déguiser sur la photo. Il n'y a pas de problème. Ah bah, là, Cédric, là-bas. J'ai l'impression qu'il revient un peu derrière. Il gère. En plus, c'est vrai que ça. Deux derrière et pas loin, Cédric. Hein. Oui, Cédric, ça a l'air de revenir un peu derrière. Hein. Ça revient un peu, hein, Cédric. Allez. Des belles bêtes. Hein. Tout à l'heure, quand il passait la butte, on le voyait. Il va plus si vite. Ça revient, hein. Allez les deux. Allez, réglez vos bonnets là les gars. Allez, ça revient, hein. Il y a un peu plus de monde. Il est passé, il y a un peu plus de monde. Il est passé, il y a un peu plus de monde.
quatrième. Voilà, Mathis. Le quatrième. Allez, Mathis. Vous partez, vous arrivez, les gars. Allez, Jérôme. Allez. Ah, mais ça, c'est trop vite. Allez, les gars, allez. Allez, c'est bon. Allez. Vous partez, vous arrivez. Vous partez pour l'arrivée. Allez, on va surveiller les autres têtes. Arrivée. Voilà, Fabrice Novicki. 52 minutes et 50 secondes. Voilà, Cédric Aspel, troisième au scratch. Ah oui, on a eu... Voilà, là, on a passé. 54 minutes 40 secondes. Eric, allez, avec Eric Allard, deuxième au scratch, avec un superbe sprint. Alors, oui, bah, il va arriver. Je vous ai appelé, hein, donc comme tout le premier, c'est l'arrivée, les gars. Alors, Eric Renou a une superbe lutte avec Fabrice Novicki, avec Cédric Aspel, avec Philippe Houdard qui fait également. On a fait la bagarre à trois, c'était super. Qui a attaqué le plus souvent dans le final? Quand on s'est rejoint, je pense que Fabrice était plus fort. Et c'est lui qui a pris les choses en main, qui a attaqué, et puis il mérite sa victoire. Là, le final, bon, évidemment, c'est délicat avec les petits... Fabrice, victorieux dans la catégorie, mais victorieux au scratch. Ça, c'est quand même important, hein, même si chacun cible par rapport à ce qu'il concerne. Belle bagarre au sens sportif du terme, et puis Cédric Aspel qui vous laisse vous disputer la gagne, parce que vous êtes de la même catégorie, avec Eric Allard, on sait qu'il est en super condition, ça doit être une grande satisfaction. Ouais, tout à fait, c'est une grande satisfaction, merci à Cédric de nous avoir laissé bagarrer à deux avec Eric, et je remercie aussi Eric pour la belle bagarre, parce qu'il faut être à deux pour avoir une belle bagarre, donc merci à Eric aussi, c'est bien amusé. Là je vous vois leader au scratch, c'est quand même un... La cerise sur le gâteau, et puis bon, le retour de Fabrice, le retour d'Eric, et puis côté fair play, toi t'es dans une autre catégorie d'âge, tu les as laissés se disputer cette gagne sans tenter de se faufiler, je trouve que c'est remarquable dans la tête, parle-nous un peu de ce parcours, et puis de ton état physique. Bon bah le parcours il change pas au fil des ans, donc toujours la partie boue, on va dire boueuse cette année qui était un peu plus sèche. Donc ça a été, après je me suis placé devant la course pour gérer ma course et puis j'ai fait quelques erreurs à l'avant-dernier tour parce que Fabrice et Eric ils m'ont rattrapé, puis bon je termine avec eux et je les laisse disputer leur victoire à eux à la fin. C'est vrai que...